n'en finira donc jamais avec tous ces noms de dieux de prince. Faudrait qu'on les expulserait, ils sont du peuple, ils crient vengeance. Pourquoi qu'ils ont des trains royaux, qu'ils éclaboussent avec leurs lusques les conseillers municipaux, qui peut pas se payer des belles frusques. D'abord les d'Orléans, pourquoi qui marie pas ses filles en France avec un bon vieux zic comme moi, au lieu du citoyen Bragance. C'est-y ça de la fraternité, c'est-y ça de la délicatesse. On leur donne l'hospitalité, qui nous fout au moins leur gonzesse. Bragance, on le connaît cet oiseau-là, faut-y que son orgueil soit profond. Pour s'être foutu un nom comme ça, peut donc pas s'appeler comme tout le monde. Pourquoi qu'il nage dans les millions, quand nous autres nous sommes dans la dèche? Faut qu'on l'expulse aussi, mais non, il est en Espagne à Pamèche. Y a les Napoléons, des mufs qui a toujours la colique et qui fait dans ses pantalons pour embêter la République. Plom plom, si tu réclames encore, on va te faire passer la frontière. Faut pas non plus rater Victor, il est plus canaille que son père. Moi, je vais vous dire la vérité, les princes, ils les capitalistes, et le travailleur est exploité, c'est ça la mort du socialiste. Ah, si on écoutait Presley, on confisquerait leurs galettes, avec quoi que l'anarchiste aussi, ils pourraient se flanquer les noces chouettes. Les princes, c'est pas tout, plus de curés, plus de gendarmes, plus de militaires, plus de Richard à lambris doré qui boit la sueur du prolétaire. Qu'on expulse aussi Léon XVI pour que le mineur y s'affranchisse. Enfin, que tout le monde soit expulsé, il restera plus que les anarchistes. Enfin, tout le monde soit expulsé, il restera plus que les anarchistes.